Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom aujourd'hui consacré à Notre-Dame de Paris. Pour en parler, je reçois Anne Brassier. Bonjour Anne. Bonjour Pierre. Anne Brassier, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est évidemment l'animatrice de notre émission culturelle Perles de culture. Chère Anne, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce projet de réaménagement de notre cathédrale si belle, incendiée il y a quelques années, fait beaucoup parler. Commençons par évoquer non pas le projet en lui-même, mais l'homme par qui le scandale arrive, à savoir le père Gilles Drouin, qui a été chargé de l'aménagement liturgique et culturel. Il entend, je le cite, « repenser l'accueil des futurs visiteurs et mieux leur expliquer le sens de ce lieu ». On ne sait pas très bien, en rentrant dans une église, quel est le sens d'une église. Non. Qu'il veut cultuel et ouvert à tous. Qui est ce Gilles Drouin ? Alors, d'abord, bonne nouvelle, il y a des réactions absolument partout. Le premier journaliste qui a sonné la charge, c'est un journaliste du anglais The Telegraph. C'est la bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui ont promis de donner de l'argent pour la restauration de Notre-Dame vont retirer leurs sous quand ils verront le massacre. Et troisièmement, il n'y a pas un homme, il y en a trois. Oui, alors il y a Monseigneur au Petit. Il y a anciennement Monseigneur au Petit, voilà, qui a nommé le père Drouin. Et un architecte qui s'appelle Jean-Marie Dutilleul. Alors je suis allée voir qui il était. En fait, c'est un spécialiste des gares. Il a créé beaucoup de gares, donc c'est un grand architecte. Et le problème, c'est qu'il est très en accord et en amitié avec l'État, puisque les gares, c'est l'État. – Enfin, l'architecte, qu'il est chargé de proposer chose ou il est chargé d'exécuter ce qu'on lui demande de faire ?– Oui, parce qu'il y a dans sa notice « architecte d'intérieur », c'est le mot magique. – Alors, Père Gilles Drouin, la vie fait les choses étonnantes, je pense que c'est la divine providence. J'ai rencontré quelqu'un qui avait Gilles Drouin, avant qu'il ne soit prêtre, c'est une vocation tardive. Il était commercial chez Veolia. Il est devenu prêtre. Et il a fait un tour chez les Dominicains, mais il n'y a pas été gardé. Et il est devenu prêtre. Et il est surtout professeur à la Cato. Il est responsable de l'Institut de la théologie. Mais sa grande particularité, c'est d'être un moderniste à tout craint, que ce soit en architecture et que ce soit en théologie. J'ai été frappée, il a fait une vidéo, allez l'écouter, chers amis de TV Liberté. Il a réagi très vite au motu proprio du pape François cet été, qui, vous le savez, se met tout d'un coup à interdire le rite extraordinaire et donc des milliers de fidèles qui se retrouvent sans messe et sans paroisse. Et ce brave homme, plein de charité et plein de générosité à l'égard de gens qui sont quand même de frères, qui sont quand même dans son église, a pondu un article dans La Croix disant « c'est bien, c'est très bien, le pape sonne la fin de la récréation ». Comme si nous étions en récréation quand nous allons, quand certaines personnes font 50 km pour aller à la messe. Et surtout, quand on pense à l'état de l'église, où il y a beaucoup d'églises qui sont sans prêtres et qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres qui attendent des affectations et qui ne les ont pas. Donc, ce propos est déjà très désinvolte. Le problème, c'est qu'il est désinvolte aussi sur le problème de Notre-Dame. Le début de sa vidéo commence en disant « Oui, j'ai un regard décalé, plein de recul à l'égard de Notre-Dame. » Non, mon gars, non. On n'a pas un regard décalé quand on s'occupe de Notre-Dame. On se fait tout petit. On est un nain monté sur des épaules de géant et on est incapable de
reconstruire une basilique, de construire une basilique comme celle-là. Donc, on est très modeste. Alors, cette cathédrale, Anne, ce projet de modification va affecter le mobilier, l'éclairage, la circulation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer dans le détail le projet de ce père Gilles Drouin ? Alors, c'est une intervention redoutable, drastique. Il y a eu un article qui a fait beaucoup de bruit dans le Figaro avec des tas de gens, Nora Finkielkraut, Stéphane Bern, disant quelle horreur, tout le travail de Viollet-le-Duc va être annihilé. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement Viollet-le-Duc qui va être annihilé, c'est Notre-Dame. Parce que Notre-Dame était tout de même là 6 siècles avant Viollet-le-Duc. Donc, il y a un peu une erreur de perspective. Cela dit, je suis tout à fait pour que l'on respecte le travail de Viollet-le-Duc, qui lui était un artiste chrétien et qui a en effet empêché beaucoup de détérioration, qui a fait cette flèche magnifique et tout ça. Alors, très rapidement, eh bien, le père Drouin s'attaque à l'axe. Il veut mettre un baptistère en plein milieu de la cathédrale, sur la Grande Allée, ce qui n'est pas le... Donc un baptistère, rappelons-le, c'est une cuve dans laquelle on baptise les gens. Voilà, voilà. Et puis, il s'attaque aux chapelles latérales. Alors, les chapelles latérales ont chacune des statues, un autel, sur cet autel, des candélabres, des tas de choses. Il veut dégager tout ça, pour en faire des endroits pédagogiques et pour surtout en faire une confrontation entre l'art ancien et l'art dit contemporain. Et c'est-à-dire mettre en face des tableaux du 18e, comme il y en a encore, et des tableaux contemporains. Alors, moi je veux bien qu'on introduise l'art contemporain, absolument, je connais beaucoup d'artistes, et les téléspectateurs le savent bien puisque je le leur présente. Mais il y a des artistes chrétiens qui font des œuvres magnifiques. Il y a sur ce sujet un très beau livre, c'est celui de Aude de Kéros qui s'appelle « Art caché », puisque ce sont en effet des artistes qui n'ont pas droit aux médias, qui n'ont pas le droit à de la reconnaissance, parce que justement ils sont chrétiens et qu'on leur propose, on préfère d'autres artistes. Didier Rickner, qui a fait une critique très marrante sur son site La Tribune de l'Art, nous montre bien les projets. Le prochain projet, ça pourrait être un baptistère de Louise Bourgois, qu'elle a faite, elle est morte, mais son œuvre demeure. Et au fond de cette vaste cuve en pierre, il y a des seins coupés. Ça sera parfait, quoi. Des seins. Si le bébé ne se révulse pas. Des poitrines de femmes. Des poitrines de femmes, absolument. Oui, alors il veut également. De le préciser. Il veut également créer des chemins lumineux et aussi libérer de l'espace en retirant la moitié des chaises, notamment les petits prie-dieux sur lesquels on s'agenouille. Voilà. Alors les prie-dieux, ça fait longtemps qu'ils ont disparu, puisque maintenant on a mis des chaises. Mais il veut aussi, parce que vous savez bien que dans la nouvelle, depuis le concile, on ne se met plus à genoux, l'homme est un homme debout. C'est le problème, c'est qu'il croit qu'il est debout, alors que s'il était agenouillé, il serait plus, il serait davantage conscient. L'homme se grandit à genoux. Oui, l'homme se grandit à genoux, absolument. Et toujours, encore une fois, tout est une question d'humilité. L'orgueil démesuré de l'homme contemporain vient du fait qu'il ne sait plus se mettre à genoux. Et également des projections vidéo sur les murs. Il veut virer la moitié des chaises parce qu'il veut que le public, les touristes puissent se promener. Des bancs amovibles. Alors, il va rajouter des bancs qui seront mobiles avec un petit lumignon. Des bancs bien contemporains. On craint le pire quand même parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. Alors, des lumignons. Des lumières au bout de chaque banc, et puis en effet, un petit chemin lumineux, vous savez, comme au cinéma, quand les lumières s'étaient éteintes, vous pouvez suivre, comme dans les avions, la nuit. Et puis alors, la chose
une des choses les plus inquiétantes, ce sont les projections de phrases de la Bible sur les murs. Ça, c'est la tarte à la crème contemporaine. Alors, ça va commencer par être des textes de la Bible, et puis très vite, pour plaire au public chinois, asiatique et tout, il y aura bien sûr des textes, j'en prends le pari, des textes bouddhiques, des textes coraniques, parce que œcuménisme oblige. Vous n'allez pas un peu trop loin, vous ne déformez pas. Le problème, c'est quand on prévoit le pire, on est sûr que le pire va arriver. Vous savez, ça fait quand même très longtemps que je m'occupe de ça. Vous vous souvenez que j'avais créé une association, un collectif avec Stéphanie Bignon, bien connue des amis de TV Liberté, qui s'appelait Versailles Mon Amour, et on avait bataillé contre la présence de Kuntz, de Murakami, de Vernet et de toutes les autres. On avait eu quand même un carrosse violet devant le château, ça s'impose. Donc si vous voulez, depuis ce temps-là, je sais que le pire peut arriver. Hein. Alors l'abbé Gilles Drouin affirme vouloir se mettre à la place de ce touriste asiatique que vous évoquiez à l'instant, qui, dit-il, se rendant à Notre-Dame, serait ébloui mais perdu. Oui, alors prendre le touriste asiatique pour un crétin, c'est quand même déjà un défaut. Hein. Le touriste asiatique qui vient à Notre-Dame, c'est qu'il a bien compris que, un, c'était le centre de la France, que, deux, il a regardé des livres, il a regardé Internet, et il sait que c'est quand même un monument absolument magistral où il se passe quelque chose de la spiritualité occidentale. Donc dire qu'il est perdu, c'est le prendre pour un idiot. Évidemment, l'incendie n'avait touché que, malheureusement, le toit et la flèche, mais nullement l'intérieur. Donc pourquoi s'occuper de l'intérieur également ? Ben c'est comme pour le grand reset, si vous voulez, et le Covid. Pendant que les gens sont occupés par le toit, on fait ses petits coups en douce et on en profite pour changer l'intérieur. Et quels sont les artistes qui vont être choisis? Alors, ils ne sont pas nommés. D'accord. Ils ne sont pas nommés, et c'est pour ça que je vous dis, de toutes les façons, ils seront nommés, bien sûr, de façon très... sur des listes de commissions d'art sacré. Et vous savez, les commissions d'art sacré, elles sont toutes aux mains de gens... Donc c'est un projet qui est centré sur le touriste. Le catholique parisien, lui, passe après. Absolument. Charité bien ordonnée, comme en sort soi-même, on oublie. Absolument. Ça fait Bellurette qui ne s'occupe plus du fidèle catholique. Alors, il y a également cette pétition, vous en avez entendu parler, certainement, Gérane, qui s'attaque à la coupe des chaînes pour la charpente. Oui. Il y a plus de 40 000 personnes qui ont signé ce texte, qui fustige un écocide. Alors, est-ce que vous êtes pour une charpente en bois à l'identique ou, par exemple, en béton comme pour la cathédrale de Nantes? Non, c'est 40 000 personnes qui sont très écolos et qui ont oublié de raisonner. La forêt est faite pour construire des charpentes. C'est comme ça depuis 20 siècles et ça va sans doute continuer. Et qu'on s'occupe d'abord des coupes de bois qui partent en Chine et qui, elles, dépeuplent la forêt. Et après, on pourrait économiser pour les charpentes. Alors, il y a donc le toit qui va être fait, l'intérieur de l'église, mais pas seulement. Le quartier est également en passe d'être restauré. Les bâtiments alentours perdant leur fonction administrative, devenant des espaces secondaires et complémentaires d'un grand espace touristique. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui est prévu pour le quartier ? Oui, les espaces sont même achetés déjà ou loués par des grosses sociétés. Nous aurons dans l'Hôtel Dieu ou ailleurs, je ne sais plus très bien, mais enfin tout près, nous aurons Vuitton. On va transformer cet espace, ce parvis qui, il faut le rappeler à Madame Hidalgo, ce parvis fait partie de la cathédrale. Donc il n'est pas question qu'ils y installent leurs petites choses, des baraques à frites et tout ça, comme au Trocadéro, parce que le Trocadéro, d'abord la barrière. Ou les Champs-Élysées.
Donc le parvis fait absolument partie intégrante de la cathédrale, et j'ai envie de dire l'Hôtel Dieu aussi. L'Hôtel Dieu, il s'appelle l'Hôtel Dieu, il accueillait… – L'Hôtel Dieu Vuitton. – on est obligé de rappeler des choses essentielles et évidentes. L'Hôtel Dieu, je vous rappelle, accueillait les miséreux, les malades qui ne pouvaient pas payer de médecins et tout. Et on a balancé tout ça pour y installer quoi ? Des marchands de sacs et des marchands de chaussures. Les marchands du temple arrivent, reviennent. Ils ne sont jamais partis. Absolument. Alors, le diocèse a démenti toutes les informations, notamment celles de la presse étrangère, qui a dénoncé le fait que voilà, Notre-Dame risquerait d'être transformée en parc d'attractions, je cite, qui risquerait d'être dénaturée. Pourquoi le diocèse n'assume-t-il pas son projet Euro Disney ? Alors, tous les prêtres ne sont pas favorables à ces excès. Mmh. Il s'agit d'une toute petite, d'un tout petit groupe, mais c'est un petit groupe résolument moderniste, c'est le groupe qui a le pouvoir. Là aussi, la querelle des anciens et des modernes est virulente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prêtres anciens, les prêtres d'un certain âge, savent ce qui s'est passé. Vous me disiez que je prévoyais le pire, mais le pire est déjà arrivé. Je vous rappelle que chaque année, lors des Nuits Blanches, les artistes peuvent investir les églises. Elles doivent être ouvertes aux artistes. Eh bien, un jour, il y a un gars qui s'appelle Faust Cardinali qui a imposé une machine à baptiser. Alors, restez bien assis et cramponnez-vous, chers amis de TV Liberté. Une machine à baptiser, maculant d'une résine, présentée comme le sperme de Dieu, des certificats de baptême géants qui ont été plus tard vendus 15 000 euros. Vous comprenez que quand on a vu ça, on sait que le pire est sûr. Alors, vous avez lancé un collectif Protégeons Notre-Dame, également une pétition Sauvons Notre-Dame. Oui. Il y a d'autres pétitions qui sont lancées, mais pourquoi multiplier les initiatives ? Pourquoi ne pas tout regrouper en une seule pétition ? Parce que l'homme est l'homme et qu'il n'a pas envie de se réunir. Moi, on serait venu me chercher, j'aurais très volontiers rejoint d'autres groupes. Le problème, c'est que quand j'ai vu la vidéo du père Drouin, j'ai écrit mon texte, que vous pouvez trouver, chers amis de TV Liberté, sur mon blog annebrassier.fr. Il va vous faire rire parce qu'il est assez cinglant. J'étais très en colère. Mais je trouve ça très bien qu'il y ait plusieurs pétitions parce que, vous savez, chacun joint un groupe de personnes différents. Les petites rivières font les grands fleuves. Et puis, on va laisser passer les fêtes parce que c'est pas le moment de s'agiter pendant les fêtes, on se concentre sur la crèche, mais dès mon retour dans la région parisienne, il faudra organiser des actions, et j'ai déjà dans l'idée de créer une chaîne humaine qui entourera Notre-Dame un dimanche après-midi. Mmh. Et on le fera un dimanche, deux dimanches, trois dimanches, et ça sera extrêmement visible. Et encore une fois, ces gens qui s'imaginent qu'ils peuvent tout faire dans Notre-Dame ne se rendent pas compte que Notre-Dame, on l'a vu lors de ce feu diabolique, ils ne se rendent pas compte que Notre-Dame appartient au monde entier. C'est ça qu'ils se rendent. Comment vous expliquez, Anne Brassier, le ralliement de ce clergé à ce projet de marchand du temple ? Alors, vous touchez c'est là… C'est quoi cet esprit ? Alors, vous touchez là un sujet très, très précis qui a été traité par Aude de Kéros dans un livre qui s'appelle « Sacré art contemporain, évêque, inspecteur et commission ». Et c'est Jean-Cyril Godefroy. Ils ont maillé tous les évêchés de commissions d'art sacré. Et ces commissions, en fait, depuis 50 ans, n'ont qu'un but,
c'est de moderniser l'intérieur des églises. Ce qui se passe à Notre-Dame aujourd'hui, c'est déjà passé dans tous les villages de France et dans toutes les grandes cathédrales. On a viré, vous le savez bien, l'autel principal, on a installé un cube au milieu des travées, on a viré les statues. J'ai des textes absolument effrayants qui racontent, on a trouvé, si vous voulez, des lettres dans des presbytères. On a trouvé d'abord dans les presbytères, dans les greniers, des statues qui avaient été dégagées des petites églises. Ouais. Hein. Et on a trouvé une lettre effrayante entre un prêtre qui demande comment faire pour retirer ces statues. Et il a la réponse de ce président de commission d'art sacré qui lui dit, eh bien, il y a plusieurs méthodes, vous les mettez sur les galeries, vous les mettez, ou alors vous les laissez se défaire, le plâtre va tomber, ou alors vous les dégagez complètement, mais il faut faire ça discrètement. Il faut faire ça discrètement. Mais vous savez bien que tout d'un coup, on a vu les antiquaires être pleins d'objets sacrés. Ils ont vendu, ou brûlé, ou dégagé. Enfin, ça a été un mouvement d'iconoclasme, il faut bien le dire, terrifiant. – Alors on avait vu nombre de personnalités à la suite de cet incendie arriver un petit peu assez médiatiquement pour réunir cette somme, voilà 840 millions d'euros pour rénover le toit. Mm. Est-ce que ces donateurs sont d'accord? Non. Est-ce qu'on les a un peu consultés? Non, bien sûr que non. Pour élaborer ce projet? Non, non, bien sûr que non. Vous savez, tout se fait en douce. Tout se fait en douce. Et s'il y a un mécène, ça sera les mécènes des artistes. Parce qu'il faut bien rappeler aussi la technique. Hein. Tout est un problème d'argent, de puissance de l'argent et de faiblesse humaine. Je m'explique. Prenons le cas de l'église d'Anzy-le-Duc, qui est un cas d'école. Voilà une église extraordinaire, romane, très ancienne, dont les vitraux avaient été refaits, nettoyés il y a 10 ans. Un industriel local décide d'y faire exposer un gars qui s'appelle Fromanger et qui se propose de faire des vitraux. Il y avait des grisailles et puis il y avait un seul vitrail, puisque l'église s'appelait Notre-Dame de la Sainte-Croix. Et il y a eu un accord entre, encore une fois, le commissaire, le président de la commission d'art sacré, qui s'appelle Curnier Laroche, de la région, qui est allé dans l'église et qui a dit « Oh, mais cette croix m'agresse !» C'était un prêtre, je vous rappelle. Ah oui. Il a dû se tromper de religion. Donc, cette croix m'agresse. Et rebelote, le peintre en question, qui devait faire ses vitraux, a dit « Mais je vous donne mes vitraux, que si vous retirez cette croix. Cette croix est incompatible avec mon sujet. Et son sujet, je vais vous dire ce que c'était, c'est des petits bonshommes rouges, verts et jaunes avec des petits ballons ronds. Donc, strictement rien de transcendantal, bien évidemment. Le ciel, c'est, qu'est-ce que c'est? Donc, un sujet complètement laïque, enfin, je veux dire, qui n'a pas sa place dans une église. Eh bien, Bignon, Stéphanie, encore elle, est allée prévenir l'évêque que ça posait un problème, qu'on allait descendre la croix. Et l'évêque d'Autun, qui est un homme remarquable, a écouté cet avertissement et il a stoppé le projet. Parce que tout est une affaire, encore une fois, de finances. Si Fromanger exposait dans une église, ça faisait monter sa cote. Quand Kuntz et Murakami exposent à Versailles, ça fait monter leur cote. Tout est une histoire de petits sous. Alors, Anne, pour sauver Notre-Dame, où peut-on signer votre pétition? Alors, vous allez donc sur annebrassier.fr, mais si vous en trouvez une autre, allez-y. Vous copiez le texte que j'ai rédigé et vous l'envoyez par écrit
avec une boîte aux lettres, en mettant votre lettre dans la boîte aux lettres à l'ancienne. Vous copiez-collez et vous l'envoyez à une adresse mail qui est sur mon mail. Et d'ailleurs, les gens commencent à recevoir des réponses. Ne vous inquiétez pas, les catholiques seront toujours accueillis. Est-ce qu'il faut faire péter le standard de cet évêché parisien ? Mais bonne idée, très bonne idée. C'est vous qui l'avez dit, mais je crois. Et nous sommes la majorité. Nous sommes très nombreux. Si nous agissons tous, ils ne pourront pas tenir. Il faut le savoir. C'est le seul intérêt de la majorité. Je ne suis pas très démocrate. J'estime que les petits groupes sont plus puissants, sont plus réfléchis, en tout cas, que la majorité. Mais quand une majorité a bien compris qu'il était en train d'advenir un crime, si on est tous à lutter contre ce crime, il ne pourra pas se passer. Sauvons Notre-Dame, donc sur le site d'AnneBrassier.fr. Merci, chère Anne, d'être venue nous donner des précisions sur ce projet un peu fou, même pas de rénovation, mais de travestissement de Notre-Dame de Paris, notre belle cathédrale. Merci Anne. Merci beaucoup Pierre. Et sachez, chers amis de téléspectateurs, que quand on se bat, il arrive que l'on gagne.